Sov a Gufa, as Kedei der Chayel Bechozi Zol Menatzeir Zayn, Muz Min Hom de Mefaki Drosha Zer Zol Zitzin in Amokim Batuach, und nicht stellen die Tochnis, was sie der Chayel Zol Milchom Hom, oder sie in a breiteren Muven beklolis Oom Kule, Kedei der Sov a Mitten Mefaki Chile Zol Menatzeir Zayn, In der Tochnis, was sie stellen nicht bei der Chateva, muss man haben dem David Desig Beter oder die, was sie stellen auf, da alle Tochnis ruchen ihm, kdese soll mazlir sein, die Tochnis Gashmi. Kihem Chayenu, ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. Car ils sont notre vie et la longueur de nos jours et nous les méditerons jours et nuits. Depuis mon plus jeune âge, j'ai eu le mérite, à travers les écoles et les shivot dans lesquelles j'ai étudié, de recevoir une éducation fondée sur la Torah. Après notre mariage, mon épouse et moi-même, nous sommes engagés à poursuivre ce chemin qui est celui de l'étude de la Torah, et donc d'entamer une année d'études supplémentaires au collège Torat Menachem. Cette décision, qui est en fait l'initiative du Rabbi, qu'après le mariage, chaque jeune couple consacre au moins une année d'études, et la garantie pour le foyer d'être fondé sur des bases solides qui sont les valeurs du judaïsme. Et bon, Hachem, tout cela est possible grâce aux enseignements de Rav Zerbi et au soutien de Rav Nizar, qui donne à chaque avraire une nouvelle et unique vision de l'étude de la Torah. Le collège, je l'ai connu depuis sa création. J'ai eu l'occasion de traverser la rue, j'ai découvert un endroit, un beau bâtiment. J'ai eu la chance d'être accompagné par le Rav Mordechai Habib ainsi que le Rav Israël Nizar qui ont été très patients puisqu'ils m'ont consacré plusieurs années, plusieurs semaines pour arriver enfin à ce que je puisse commencer à traduire et être autonome. Mon expérience au collège, c'est une propulsion qui ne s'arrête jamais. C'est ainsi qu'on peut décrire ces précieuses années passées au collège. Dans mes activités communautaires, cette formation me permet de répondre aux questions les plus pointues, notamment en cache-route, Shabbat, pureté familiale. C'est grâce à la formation du Rav Zerbib qui, même après avoir quitté partiellement les bancs du collège, m'aiguille dans ma mission. Ma rencontre avec le Rav au collège a changé ma vie. Au collège, c'est une choule où les jeunes, les moins jeunes, les vieux et les moins vieux, ils peuvent se réunir, ils peuvent s'entendre, ils peuvent chacun apprendre l'un de l'autre. Le collège aujourd'hui, c'est ma choule au quotidien. Le lundi, le mardi, le jeudi avec les coups de fil de Rav Zerbib, tous les jeudis qui m'appellent sans perdre patience pour faire ma chavruta avec lui. Le collège m'accompagne au quotidien dans toutes mes relations avec la vie juive et avec la vie familiale. Le collège aujourd'hui, c'est ma vie. Dans l'éducation des enfants ou même dans notre vie quotidienne, c'est un véritable privilège d'avoir un mari qui a l'accès au monde de la Torah pour répondre à des questions qui sont souvent compliquées. Grâce à une écoute attentive et un dialogue avec le Rav qui est donc proche et très attentif à nos problèmes et qui, grâce à lui, nous pouvons avoir réponse au quotidien.
bonsoir à vous tous. Un immense merci d'être là. Nous avons besoin de votre soutien fort, intense, car nous avons de grands projets. Diffuser encore la Torah, faire encore des journées à thème, augmenter le nombre de nos avrechim, et pour cela, votre présence et votre aide est indispensable. Encore une fois, merci. Yishar kochachem.